Napoléon. Moi, tu aimes bien le lait, toi, hein? Oui, tu es mignon. Bonjour, monsieur François. Monsieur François n'aime pas les gens, et pour cause. Atteint de chuchotements aigus, il fut la risée de ses camarades qui le rebaptisèrent François. Désemparé par l'isolement de son fils, sa mère lui offrit un chat qui devint son seul ami. Monsieur François n'aime pas l'imprévu. En effet, il trouve dans sa routine quelque chose de rassurant. Et comme lui a toujours si bien dit sa mère, chaque action en son temps et à chaque temps son action. Monsieur François aime bien regarder la télévision. Il aime particulièrement les caméras cachées. Il trouve ça très drôle. Dans la vie, M. François répare des photocopieuses. Bien que ses machines soient quelque peu capricieuses, ce métier lui offre l'avantage d'être tranquille. Alors François, ça fonctionne ? Oh, mets-toi-en François ! Chaque rencontre avec sa voisine est une sinistre occasion de lui rappeler son défaut de prononciation. Bonsoir M. François. Alors François ? Bonsoir, monsieur François. Ça marche toujours pas, François ? C'est François ? Bonsoir, monsieur François. Bonsoir, monsieur François. Pardon, pardon, vous m'envoyez une navrée, je vais réparer. J'ai une machine à coudre. Un peu plus de sucre. Monsieur François est abasourdi. Un peuplouche de choucre. Il s'interroge. Se pourrait-il que depuis tout ce temps, sa voisine, Madame Dacosta, ne se moquait pas de lui? Alors qu'il scrute la pièce, Madame Dacosta lui raconte l'histoire de son enfance. En effet, partie enfant du Portugal, elle dut tout quitter, y compris Lucia, sa petite chatte blanche. Ses parents lui expliquant alors qu'elle les rejoindrait plus tard par le train des chats.
Dès lors, bien que ses illusions d'enfant l'aient quitté depuis longtemps, elle n'a de cesse de mettre chaque jour un bol de lait devant sa porte pour que Lucia puisse retrouver son chemin. Buvant ses paroles, il s'émeut de cette histoire. Tout est clair maintenant. Elle a juste un accent portugais. Thank you.